Salut mes petits cocos! Encore une! On n'arrête pas les Tesla. Tesla, encore une full black. Ouais, je rabâche, on en étale de ouf. Mais celle-là, franchement, elle est mieux que les autres. Je vais vous faire un petit détail. Pourquoi elle est mieux que les autres? Bah parce qu'elle est belle, déjà, elle est belle, elle est full black satin. On a fait un petit pack d'échromage parce que elle a un peu de la bouteille et donc à cette époque-là, il n'y avait pas d'édition black comme ça. Et donc voilà, on lui a teinté les phares. C'est la première fois qu'on le fait sur une Tesla, je crois. Il faudra que je me renseigne, mais je pense que c'est la première fois. Petit becquet carbone, comme il le faut. Il était existant et donc voilà, on l'a laissé, le client le voulait. Et le client avait acheté plusieurs éléments carbone, kit carbone. Il m'a dit voilà, ça me ferait super plaisir que vous les installiez. Et bah, on l'a fait, on les a installés. Donc Maxime, parce que moi ce genre de truc-là, c'est pas trop mon délire. Donc Maxime a installé, ça fait bizarre ça, hein? Petite bête posée sur mon épaule. On a installé les lames sur les côtés en carbone. Donc c'est collé, vissé. Franchement, ça la change de ouf. Et vous pouvez remarquer, alors vous pouvez regarder, tiens, tu mets ta petite caméra là, sur le téco là, et puis on va voir en fait que dans l'alignement de la voiture, en fait on lui a mis des cales pour que les pneus soient vraiment à fleur. Bah alors pour le coup, lui, c'est lui qui avait acheté les cales. Donc ses pneus ressortent un tout petit peu de la carrosserie. Ça la rend méga, méga imposante, beaucoup plus imposante que les autres. Je trouve ça super joli. C'est un petit détail. Mais franchement, quand on les voit côte à côte, c'est assez bluffant de voir comment que le pneu ressort. Ressort. Elle est en train de se casser la gueule, la petite. Oh là 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 là! Elle s'est cassée la gueule. Bon. En full céramique dessus. On va l'appeler la Vlad Tesla. Voilà. C'est un petit truc à nous. Voilà. Client super gentil, adorable. C'est une voiture qui vient de Paris. Donc voilà, les gens de Paris nous font confiance. C'est plutôt gratifiant. Attention, il y a une voiture derrière. Et donc voilà, les jantes ont été peintes par Olivier, JB Automobile. Le trois quarts arrière a été fait par Maxime, l'atelier Eleanor qui se trouve à Maromme. Il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas, franchement. Les mecs, ils bossent trop bien. Ils sont super gentils. Bonne vibe, bon atelier. Voilà, n'allez pas ailleurs. C'est chez Maxime qu'il faut aller, atelier Eleanor à Maromme. Je vous le conseille, c'est très bien fait, c'est propre, rien à dire. Et puis voilà, qu'est-ce qui a été fait d'autre? C'est tout? Ouais, bah, je pense que c'est tout. Déchromage, full black satin. En fait, à la base, le client voulait un gris un peu satin. Et en fait, il a vu la Tesla qu'on a fait en black satin. Il a dit non, mais c'est n'importe quoi, je ne vais pas faire du gris, je veux du black satin. Donc on lui a fait du black satin, on va la reporter lundi, on va sur Paris, on va rechercher une autre voiture, on n'arrête pas. Et voilà, je pense qu'il va être super super content parce qu'elle est méga efficace. Voilà, on lui a mis aussi un petit diffuseur arrière qu'on voit très difficilement vraiment quand on recule. Ouais, c'est assez léger. C'est un diffuseur carbone gloss. Et puis les deux petites ailettes qu'il y a sur les côtés. Voilà, ça la rend efficace. Continuez à vous abonner, ça fait plaisir. Donnez-nous la vibe, vraiment on prend du plaisir, c'est cool. Abonnez-vous, Insta, YouTube, je rabâche. Et c'est toujours comme ça. Voilà. On ne peut pas faire mieux. Donc on le fait, on fait les choses bien. Donnez-nous la force, les petits cocos, je vous aime. Cutter, cutter! J'avais oublié. Petite surprise pour le client. Alors le client nous a rien demandé. Et moi je trouvais que la voiture en valait le coup. Le client est cool. Donc voilà, petite surprise. On va lui rendre lundi. Venez voir ce qu'on a fait. À
habillage covering de la planche de bord. Voilà, donc on a réalisé un covering sur cette partie-là qui était en bois, qui était bien moche, et aussi sur la partie centrale. Voilà. Les petites attentions font toujours plaisir. Voilà, je vous laisse, bisous, ciao. Thank you.